voilà, on est arrivé dans ce magnifique endroit. Ici donc l'Ilouette et puis le château du Taureau qu'on voit un peu derrière. Et donc pour cette année 2019, je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur, la santé, c'est très important. Du vent pour ceux qui aiment aller sur la mer et utiliser leur planche à voile, comme moi d'ailleurs. Et plein de bonnes choses, surtout restez en bonne santé, faites du sport, amusez-vous, pensez à rire un peu et puis n'hésitez pas à aller venir vous balader dans ce coin magnifique ici, à Carantec. Allez, je vous emmène faire un petit tour, c'est parti. 1, 2, 3. Oh la vache! Et ouais, donc pour 2019, j'ai un nouveau joujou, un engin fantastique, ça me permet de me téléporter où je veux, en un instant comme ça, c'est la classe! Je peux même me faire mettre des lunettes, des choses sur la tête, ou les enlever quand je veux, c'est impressionnant, voilà, donc ça va être mon nouveau projet pour 2019, je pense qu'on va bien s'amuser, et j'espère vous rencontrer tous très très vite, sur l'eau, à terre, et dans ce très bel environnement. Alors on est parti pour un autre truc, je pense qu'on va partir dans ce sens-là. Tchac ! Eh ouais, la classe à Carantec. Toujours avec ce beau point de vue, l'Ilouette, le château du Taureau. Et puis au loin là-bas, là, les gens du Trégor. Salut les mecs, je vous souhaite aussi une très très belle année. Donc aux gens de Térénèse, avec tout le club de voile, tous les copains qui naviguent là-bas. Superbe endroit. C'est vraiment un très très beau point de vue et un très beau plan d'eau aussi pour naviguer, pour s'éclater. Allez, rendez-vous à un autre endroit, je sais pas où, on va voir. Ça caille un peu là aujourd'hui, mais allez, on fait disparaître le Vincent et on l'emmène ailleurs. Ah, c'était une petite erreur, transformage en chien. Et puis là, c'est le spot où on graie les voiles. Vous reconnaissez peut-être les photos de temps en temps avec les petites canottes. Donc ici c'est toujours Carantec sur la plage du Kellen qui est juste derrière sous la barre pour empêcher les gens du voyage de passer. Allez, maintenant on va aller un petit peu prendre un point de vue en hauteur pour voir le spot et l'île Calotte comme je vous ai promis, mais je crois qu'on va pas pouvoir y aller aujourd'hui parce que la mer est haute. Allez, salut! Ah, petite erreur de ma part, c'est dimanche aujourd'hui, donc chez Glazy c'est terminé. On va aller faire un petit tour en haut sur le viaduc, dans les petites ruelles de Morlaix. Allez, je vous emmène. Hé hé ! Ça c'est les heures d'ouverture de ce magnifique pont au-dessus de Morlaix. Lundi au vendredi, 7h30 à 19h30. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, en tout cas il faut venir ici si vous passez par Morlaix pour naviguer. Et chez Bertrand à Glazy. Et donc ce pont là donne un super point de vue, vous allez voir tout de suite. Je vous y emmène, on voit tout Morlaix, c'est top. Et voilà, ça c'est beau. Il y a tout Morlaix en dessous nous, on voit la mairie, dont du sang spécialement aujourd'hui pour nous. Et donc on va regarder le haut du plafond. Ça c'est le viaduc, on n'est pas tout à fait au sommet. Il reste encore un étage où il y a le train qui est censé passer. Et ben, on va retourner à la maison maintenant, on va retourner à Brest. Allez, direction Brest les amis, c'est parti. C'était une blague.